Comment créer des vecteurs lignes? Tu peux le faire avec des méthodes que l'on a vues dans les vidéos précédentes, mais il existe deux autres façons de construire ces vecteurs lignes et elles tombent très souvent dans les sujets de concours. Les deux points et la fonction line space. C'est parti! Première méthode, le vecteur ligne avec les deux points. Si j'écris L égale moins 2, 2.2, 2.16, donc ça veut dire que j'affecte ce vecteur-là, la variable L. Mais comment je crée ce vecteur? Le moins 2, ça signifie quoi? Le premier, ça signifie que je démarre à moins 2. Le deuxième chiffre, 2, c'est le pas. Donc on avance 2 par 2. Et le troisième, 16, c'est la limite à ne pas dépasser. Je dis bien ne pas dépasser et tu vas voir pourquoi. Ça va nous donner moins 2, 0, etc. jusqu'à 16. Qu'est-ce que je remarque? À chaque fois, je fais plus 2. Jusqu'à lui. Lui, c'est le point de départ. La limite à ne pas dépasser. Et le 2, c'est le pas. Maintenant, prenons celui-là. A qui va de 1,7 à pi avec un pas de 0,1. Là encore, on voit, ok, très bien. 1,7, c'est le départ. À chaque fois, je fais un pas de 0,1, etc. jusqu'à 2,9 plus 0,1, 3 plus 0,1, mais pi, on sait que c'est 3,14, 15, 9, 26. Si je rajoutais 0,1, j'obtiendrais 3,2. Sauf que 3,2 dépasse pi, donc je ne l'écris pas. Et en fait, c'est pour ça que ce n'est pas l'arrivée ici. C'est la valeur à ne pas dépasser. Comment retenir moyen mnémotechnique? Il y a deux points. Pour retenir l'ordre, D c'est le départ. P c'est le pas. Et S qui est la limite à ne pas dépasser, donc stop. Voilà, à bien retenir. Dans l'exemple au-dessus, j'avais défini un pas, mais c'est possible qu'on ne définisse pas de pas. Par exemple, si j'écris B égale 5,2.19, c'est-à-dire que je pars de 5, la valeur à ne pas dépasser est 19, et le pas par défaut, c'est 1. Et je vois qu'ici, effectivement, je vais faire plus 1 à chaque fois. C'est pour ça que dans tes boucles, alors j'anticipe sur les boucles, mais quand on a for i égale 1, 2 points, genre n, ben oui, c'est un vecteur ligne, 1, 2, 3 jusqu'à n. Le pas, on a vu, on la pouvait mettre 2, 0,1, par défaut, il est égal à 1, mais il peut aussi être négatif. Par exemple, ici, le pas qui est défini, c'est moins 2. Donc à chaque fois, j'avance de moins 2. Enfin, je recule de moins 2 plutôt. Parfois, justement, en définissant un pas qui ne convient pas, bah, la matrice ne peut pas être créée. Et on arrive avec ce résultat. J'appelle ça la matrice Rien, mais il n'y a pas vraiment de nom. Ce qui est intéressant, c'est que la matrice Rien, on peut la concaténer avec une autre matrice. Alors, tu dis que là, ça ne sert à rien, mais tu verras des exos où, justement, ça t'évite pas mal de problèmes. Là, pourquoi cette matrice ne marche pas? Je vais de 0 jusqu'à 100 avec un pas négatif, ce qui n'est pas possible. Pourquoi celle-là ne fonctionne pas? Je te laisse réfléchir un petit peu. Effectivement, comme il n'y a pas de pas défini, c'est un pas de 1. Et donc je ne peux pas aller de 3 à moins 8 avec un pas de 1. Si je concatène cette matrice rien en rajoutant la colonne d'après 1 et la colonne d'après 2, c'est comme si ici j'avais la matrice rien et qu'à côté j'avais mis 1 et 2, donc ma matrice F c'est 1, 2. Passons à la fonction line space. Alors line space, je vais démarrer tout de suite avec le moyen mnémotechnique. Line space, c'est un peu l'enfer des étudiants. Et quel auteur a parlé de l'enfer? Dante. Le D signifie départ.
Le A signifie arrivée. Donc vous voyez qu'ici, hein, l'arrivée est en deuxième. Et le NTE, c'est le nombre de termes. Tu vois qu'ici, je n'ai pas défini le pas explicitement. Le pas, il est défini implicitement. Pourquoi il est défini implicitement? Parce que j'ai un nombre de termes et l'écart entre chaque terme va toujours être le même. Prenons l'exemple ici. Line space 3. 3, c'est le départ. C'est pour ça qu'ici, quand je lance le line space, ça démarre à 3. 10, c'est l'arrivée. Effectivement, j'arrive à 10. Et 29, c'est quoi? C'est le nombre de termes. C'est pour ça que les colonnes vont de 1 à 29, parce que j'ai 29 termes. Et quand j'ai ça, ben, tous les termes ont le même écart. J'ai obtenu en fait 28 segments de même longueur. De 3 à 25, c'est comme si j'avais plus R, donc ici on voit que c'est plus 20, 0,25, mais on va voir pourquoi. Et là, tu dois dire, oui, ça me fait penser à quelque chose. Programme de première. C'est une suite arithmétique. Et comment on va trouver la raison? Elle peut se calculer. Je me souviens de la formule U29 il vaut U1 plus 28 fois R. Toujours petite astuce, attention, lui plus lui, ça fait lui. C'est pour éviter de t'embrouiller avec les n, n-1, etc. La raison, en fait, je peux la calculer très facilement. Parce que moi, qui j'ai ici? J'ai le départ, c'est-à-dire le départ, donc c'était lui, U1. L'arrivée qui m'est donnée, U29. Il ne me reste plus qu'à avoir la raison. La raison, c'est U29 moins U1 sur 28. Dans le cas général, c'est la raison, c'est le dernier terme moins le premier terme sur le nombre de termes moins 1. Tu peux le retenir par cœur, mais dans un exercice, généralement, on va expliquer et faire le raisonnement. Exemple dans cet exercice-là, qu'on écrit line space moins 4, 5, 19, est-ce que 0 est contenu dans les coefficients? Si oui, à quelle place? Comment je vais regarder? Moi, je sais qu'avec mon 19, j'ai 19 termes. Donc, j'ai U19 pour le dernier. Et ça démarre à U1. Le U1, je le connais. Le U1, il vaut moins 4. Donc du coup, ici, U1, moins 4. Le dernier terme, je l'ai aussi, c'est 5. Je remplace. Et le 18, je l'ai trouvé comment? Parce que 1 plus 18, ça fait 19. Donc je trouve le R en résolvant cette équation très très simple. 5 moins moins 4 sur 18, ça fait 1/2. Donc j'ai la raison. La question maintenant, c'est est-ce que 0 est atteint? J'ai procédé par analyse synthèse. Je suppose qu'il existe un n appartenant à 1,19 tel que un égale 0. Donc d'après la même formule, ben, un vaut u1 plus n moins 1r. On retrouve là encore hein, le lui plus lui égale lui. Je remplace un vaut 0, puisque c'est ce que j'ai supposé. Le u1, je le connais, il vaut moins 4. La raison, je viens de la trouver, elle vaut 1,5. Il ne reste plus qu'à voir si ça marche. N égale 9. Alors imaginons que j'avais trouvé n qui valait 7,3. Ça ne marche pas parce que n n'était pas un entier. Et là, donc j'ai une 9. Donc si jamais le n existe, alors il vaut 9. Je vais vérifier avec la synthèse. Une 9, d'après le calcul ici, donc la formule de cours, ça vaut 0. Donc tout va bien. 0 est contenu dans la line space et son coefficient est le 9e. Petite remarque, ça donne ça le résultat avec le pas de 1,5. J'espère que ça t'a plu. Et comme toujours, le conseil habituel, si tu comprends, c'est bien, mais si tu assimiles vraiment les notions, c'est mieux. Et pour cela, rien de mieux que de refaire deux ou trois fois ce qu'on a fait. Donc pour ça, tu peux télécharger gratuitement le PDF que j'utilise dans cette vidéo et t'entraîner par toi-même. Le lien est dans les commentaires. À bientôt, prochaine vidéo, les calculs entre matrices, opérations classiques et opérations pointées ou point par point.